Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai acheté des livres au Brocante, pas loin de chez moi. J'ai acheté un livre fait par les poissons. Cela. Ça parle en fait des comment on est au cul, comment respecter le pH, sauf celui-là, il dit pas du litrage. Il dit d'un grand comme ou un petit. Donc celui-là, il dit c'est les plantes. Ça dit le pH, volume, politrage, pour quel poste on peut mettre, qui est surtout conseillé. Ensuite, lui, il le dit en fait comment adapter les poissons avec les plantes, comment respecter les règles, comment entretenir, empêcher que ça pousse trop vite, et pour occuper bien quand même pendant les vacances. Ça, j'ai su lire. Et celui-là, c'est un livre qui parle surtout des races de poissons. Ça dit à peu près pareil, la même chose, un peu plante avec l'entretien. Le pH, il dit ça aussi le pH. Celui-là, il m'aidera à chercher les plantes que ça me rendra service. Parce que, en fait, celui-là, je sais pas quelle plante, il faut que je recherche sur internet parce que je sais internet. C'est pas facile à trouver. J'ai mangé manger. J'ai enfin acheté des livres qui parce que je suis passionné contre l'aquarium. Je suis passionné aussi l'aquaponie, le terrarium. Mince, j'ai oublié de vous montrer les livres terrarium. Voilà. Celui-là, ça dit le guide de terrarium. Donc celui-là, j'ai pas encore ouvert. Ça dit les races, je pense. Celui-là, c'est pas la tortue. Ça dit tout ce qui est tropical, c'est des livres qui parlent en fait des tropicales, aquatiques, tout ce qui est animaux. Ça m'intéresse vraiment de les voir. Tenter la même chose. Bon. Ah si, en couleur, j'ai. Bon, je vais lire ça tout à l'heure. Ces livres-là m'intéressent beaucoup parce que en fait, c'est intéressant. Ça m'explique comment entretenir ma tortue, par exemple. J'ai un exemple, je vous donne. Et là j'ai des tas de livres par là, j'ai des tas de livres aussi par là, j'ai tous ces livres là qui m'intéressent aussi beaucoup. C'est un peu bazar hein, si je reviens. Il y a aussi des livres comme ça qui m'intéressent beaucoup. Ça c'était des documents qui parlent des documents. Je vais tout remettre à sa place. C'est du bordel pas possible. Bon, c'est là, ça. Attends, aussi quoi d'autre? C'est comme ça, les livres. J'ai aussi des livres. Aussi là. Les livres tassés sont tassés. C'est un bordel pas possible. Pour tout ça, c'est. Ça, c'est rien, ça. Celui-ci, c'est une ampoule à jeter, ça. Que j'avais changé de machine. Ah oui, en brocante, j'avais acheté aussi un bulleur. Qui consomme, je sais pas combien de watts. 250 litres par heure. Je pense, c'est 50 Hz. Il consomme 5 watts. Et là, c'est un peu bazar, j'ai tout ce qu'il faut en bazar. Je suis désolé parce que j'avais pas envie de filmer ça. Ça dire. Bon, moi je verrai ça tout à l'heure si j'ai le temps à filmer. Moi aussi, j'achète en brocante, je reviens. J'ai acheté une lampe en tortue. Si une lampe qui permet d'éclairer à la nuit, c'est parce que. Si je l'ai éclairé la nuit, toute la nuit c'est clair. Et là ça m'intéresse beaucoup. Bon, je vous dis à la prochaine. Merci de regarder la vidéo, donc à la prochaine.